Dans quelques instants, le coup d'envoi. Nous allons vivre une grande demi-finale. On l'espère en tout cas. Les deux équipes qui vont tenter de décrocher ce fameux billet pour la grande finale, Franck. Et les joueurs vont être très motivés, Hervé. Vous savez, s'arrêter en demi-finale, c'est très frustrant. Ils veulent tous aller plus loin, bien entendu. Au programme, la confrontation entre les Pays-Bas et le Portugal. C'est le Portugal qui engage. Il récupère ce ballon dans notre jeu. Huntelaar. Le joueur néerlandais qui s'approche de la zone dangereuse. Hein. Et ballon pour Nani. Et ça n'est pas trop du goût du public, évidemment. S'est pas laissé surprendre sur ce coup-là. Huntelaar. Attaque intelligente, très réussie. Il récupère le ballon. Nani, et s'est récupéré. Bon, belle passe et du talon. Pas percé. Raúl Meireles. Cristiano Ronaldo. Diogo Pereira. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur ce joueur, Franck. Il aime les longues chevauchées vers l'avant pour essayer de créer le surnombre. Van Persie. Et Van Persie qui monte sur le porteur du ballon. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Il est à la récupération au milieu de terrain. Ballon perdu. Le beau duel pour la récupération du ballon. Diogo Pereira. Avec Nani maintenant. Wesley Schneider. Et le ballon qui est perdu. Attention, ils peuvent la récupérer. Oui, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Et ballon pour Nani, un joueur très à l'aise, hein, techniquement capable de faire à peu près tous les gestes techniques. Et maintenant il va falloir centrer. Martin Cindy. Allez, le contre maintenant. Huntelaar. L'occasion peut-être avec cette frappe. Corner à suivre. Piqué mieux que ça sur les corners. Avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est un véritable poison pour la défense. Il n'hésite pas parfois à décrocher pour récupérer le ballon assez bas. Après, sa vitesse de pointe et son exceptionnelle conduite de balle font le reste. L'action est stoppée. Bon, c'est bien parti. Les joueurs portugais qui viennent de tromper le gardien.
c'est donc l'ouverture du score 1-0. Wesley Schneider. Van Persie. Il ne faut pas trop laisser d'espace aux Pays-Bas. Et tacle, qui sera le premier sur le ballon? Et l'attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Très bonne anticipation sur cette sortie. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Et la voilà la frappe! But pour le Portugal! Et c'est son deuxième but personnel, il va peut-être pas s'arrêter là. Et Cristiano Ronaldo qui a tout fait tout seul sur cette action. Il a vu une brèche et après c'est trop tard pour les défenseurs. Et ils accentuent leur avance, le score qui est désormais de 2-0. Van Persie. Huntelaar. Verhaeghe. Huntelaar. Il va remporter son duel. Un ballon rendu à l'adversaire finalement. Raúl Meireles. Et le break est peut-être fait à la pause. Le score pour le moment est de 2-0. Encore un match à élimination directe qui tient vraiment toutes ses promesses, Franck. Ben oui, ils savent que pour le moment, ils tiennent leur qualification. Les joueurs néerlandais qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Van Persie. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Van Persie qui remporte son duel. Et il est toujours en possession du ballon. Il poursuit son action. João Moutinho. João Moutinho. Il tacle. Qui sera le premier sur le ballon? Oh, ça va entrer. Oui, il y est. Ah, que ce soit lui qui marque, c'est bien entendu tout sauf une surprise. Ah oui, il fait partie de ces grands joueurs capables de tout à tout moment. 3-0 et toujours pas de réaction en face. Van Persie. Wesley Schneider. Ah, ce ballon commençait à trop traîner, il fallait intervenir. Et Van Persie qui monte sur le porteur du ballon. Jero Pereira. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Mais quel talent! Quel talent en attaque chez ce joueur! Ah, pour moi, c'est simple. C'est l'un des tout meilleurs au monde à ce poste. C'est l'un des hommes clés de cette rencontre. Oh, quelle occasion! La frappe puissante de Cristiano Ronaldo. Mais le gardien s'est interposé. Un remplacement du côté des Pays-Bas, petit réajustement tactique peut-être. C'est mal tiré ce corner. Oh, le tacle propre, ballon toujours en jeu. Raúl Meireles. Que c'est bien joué, ça va peut-être aller au bout. Ah, s'ils ne viennent pas le contrer, il va frapper, ça c'est sûr. Oh, le beau tir. Ouais, on sent qu'ils pensent surtout maintenant à assurer leur victoire. Ouais, ouais, c'est...
Bonne récupération au milieu de terrain. Cristiano Ronaldo, il est hors jeu sur cette action, le drapeau s'est levé. C'est Robben qui va rentrer. L'attaque qui est finalement enrayée par la défense. Raúl Meireles. Ron Vlaar. Wesley Schneider. Ah, il perd le ballon. Raúl Meireles. Nani. Et le gardien qui va sortir. Oh, le tir. Et ça fait but. Oh, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il nous fait aujourd'hui. C'est assez rare, hein, le coup du chapeau. Oh, ils ont peut-être tué le match. Là, le score qui est maintenant de 4 à 0. Et on sent bien que les supporters locaux ont pris un sacré coup au moral. C'est clair, mais vraiment, on ne les entend quasiment plus dans les tribunes. On peut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme pour prendre ce match à son compte. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Oh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter ? On est idéalement servi, attention. Oh, la jolie frappe ! Et un manque de conviction évident quand même dans cette frappe. Il va falloir donner un peu plus pour revenir dans la partie. On va procéder à un changement côté néerlandais. Fabio Quintrao. Pépé. Regardez-moi cette succession de passes. Ouais, excellente interception, bien joué. Van Persie. Raúl Meireles. De Jong. Cristiano Ronaldo. Ils sont en finale, Franck, en finale de la Coupe. Et c'est surtout ce qu'il faut retenir sur ce match. En effet, seule la qualification est belle. Maintenant, il faut bien la préparer, cette finale, justement. Et le plus dur reste à faire, ils le savent, hein, c'est de la gagner. Ça a été un plaisir de commenter cette rencontre. À bientôt, au revoir.